Entrez. À partir de maintenant, c'est moi qui commande. Chacun aura alors le destin qu'il aura mérité. Il nous l'a fait parvenir hier soir. Putain! Ils sont bien foutus de moi. Oh, je pense qu'il faut suspendre l'assaut chez Litovski. Non. Retarder cet assaut n'est pas chose facile. Je vous rappelle que c'est moi qui fais le compte-rendu à la direction, pas vous. Et avec les révélations de Chris, on est en mauvaise posture pour demander des délais supplémentaires. C'est le travail de 3 ans qui remet en question. Donc s'il vous plaît, essayons de nous en tenir au plan. En ce moment, je suis pas trop dispo, alors fais attention. Tu vois, avec toutes les nanas que tu ramènes chez toi, eh ben ce que je désire, c'est que tu te chopes une bonne syphilis, avec un petit coup de sida, et puis si tu peux t'étouffer aussi dans la foulée, ce serait pas mal. Non mais on va se calmer là. Alors maintenant, tu vas me dire tout de suite à quoi tu joues, avant que j'enfile ma cape, c'est clair? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ça fait 3 mois que t'es sorti de tôle et tu veux jouer les papas? Mais je suis pas en âge de recevoir tes ordres. Je suis désolée, Billy, mais j'ai plus besoin de toi. Au fait, dans Harry Potter, c'est une cape d'invisibilité. Elle te convient aussi parfaitement, celle-là. Bonjour, docteur. Monsieur Profond, c'est bien ça? Alexandre Profond, bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Alors, je viens vous voir parce que j'ai de très fortes migraines. Et c'est de plus en plus fréquent, ça me fait vraiment très mal, j'aimerais qu'on trouve une solution. D'accord. Et dans ces moments-là, quelle partie du corps vous fait mal? Quelle partie du corps me fait mal? Ben, en termes de migraine, c'est rarement le doigt de pied. Oui, évidemment. Bon. Alors, ce qu'on va faire, vous allez baisser votre pantalon et mettez-vous ici, là, sur la chaise, à genoux et légèrement en bas. Ah non, mais alors attendez, parce qu'en fait, je vous explique. Quand on me demande de baisser mon pantalon, en général, ça sent jamais vraiment bon. Ah, ça, je vous le dirai une fois dedans. Une fois dedans? Je veux juste que tu retrouves le sourire, c'est tout. Je suis perdu, Laura. T'es perdu? T'es perdu de quoi? Je te rappelle que si on a décidé de rester ensemble, c'est pas pour rien. Devenir maman, c'était le rêve de ma vie. Tu comprends? Pourquoi on se rend malade? On peut quand même rien y faire. Je veux pas adopter Thomas. Je veux pas d'enfant qui est pas de moi. Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez rien à faire dans mon bureau. Et vous, vous êtes qui, monsieur? Mais moi, je suis monsieur Profond, patient 15h, votre rendez-vous. Mon stéthoscope? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas. Isabella, je vous l'ai déjà dit, un stéthoscope, ça sert pas à ça. Allez, venez avec moi, enlevez cette blouse déjà. Qu'est-ce que c'est? Enlevez-moi cette blouse, hop. Maintenant, vous venez avec moi, je ramène dans votre chambre. Allez, venez, Isabella. Venez avec moi, on rentre en rentre. S'il vous plaît, allez. Attendez, mais qu'est-ce qui me tire ça, moi, s'il vous plaît, docteur? Entrez dans votre chambre, Isabella. Allez,